Coucou tout le monde, donc on se retrouve pour un nouveau partenariat avec la boutique One Day Saving. Ils m'ont recontacté pour savoir si ça m'intéressait de refaire un partenariat avec eux. Alors au tout début je me disais bah mince, c'est vrai que j'ai déjà pas mal de diamants de painting que j'avais pris l'année dernière que j'ai pas fini. J'ai dit qu'est-ce que je fais, je prends pas. Puis du coup j'ai navigué sur leur site et j'ai trouvé un rangement pour justement les diamants de painting. Donc je vais vous faire voir ça tout de suite. Donc ils m'ont proposé ce grand clearbook. Donc là c'est un format A3, donc c'est vraiment très très grand. Je m'attendais, j'ai pas fait gaffe quand j'ai pris le format A3, donc je sais qu'ils ont le format je crois A4 également. Alors, je suis en train de chercher pour l'ouvrir. Donc ça a été très très rapide l'arrivage. Donc là je crois qu'il y avait trois couleurs, je crois qu'il y avait du jaune et du bleu. Moi je l'ai pris rose, voilà. Donc là on a la petite étiquette, il faut le mettre un petit peu en forme, il est un petit peu plat mais je pense qu'il va se mettre avec le temps, il se mettra. Hop. Voilà, il faut le retravailler un petit peu, voilà. Voilà, déjà c'est déjà mis. Donc comme ceci, et c'est pour ranger les fameux diamants de painting. Donc là, c'est une toile qui fait 30 par 40. Et si je veux la mettre dedans, alors elle est en cours, elle n'est pas finie celle-ci. Je l'ai un petit peu abandonnée là, depuis quelques temps, mais du coup, l'avantage, hop, ça permet de la protéger également. Vous voyez. Quand on veut les déplier d'avance, parce que c'est vrai que quand elles arrivent, elles sont un petit peu froissées, et ben je pense que je vais les mettre, celles qui sont en attente, je les mets dedans. Comme ça, ça va les protéger également. Ça peut être pas mal. Après, je ne vous cache pas, c'est un format A3, c'est très très grand. Ça fait pratiquement 40, je suis sûre que ça fait 40 de haut. Ouais, c'est ça, pratiquement 43 de haut. Donc, vous voyez, c'est très grand. Mais pour le coup, on peut mettre deux toiles l'une derrière l'autre. Et j'ai combien de pochettes? J'ai 30 pochettes. Donc, 30 par 2, ça fait quand même 60 d'épée qu'on peut mettre dedans. C'est plutôt intéressant. Je crois, alors, j'ai pas regardé les prix. Je suis un petit peu ballot, mais je crois que c'était autour de... 14 euros à peu près. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc moi je remercie One Day Saving de me faire confiance et d'avoir accepté ce nouveau partenariat. Déjà rien que pour ça, je trouve que c'est super chouette. Pour pouvoir ranger mes diamants de painting, c'est le top. Moi je suis super contente. Donc là je vais continuer, je vais mettre ceux qui sont en attente. Déjà d'une, ça va les, comme je vous disais, les déplier un petit peu. Et puis, quand j'aurai un petit peu plus de temps, je vais m'y remettre. Peut-être un petit peu le soir, parce qu'en plus, là, il me reste que quasiment la même couleur. C'est surtout ça, je pense que ça m'a arrêté. C'est qu'il me reste que la même couleur. Mais bon, j'ai hâte de pouvoir la finir, puisque à la base, c'était pour mon mari, celle-ci. Mais elle est toujours en attente, hein, comme on dit. Donc, voilà, c'était une très, très belle toile que j'avais eue. Donc, ça, c'était... La première chose que j'ai pris avec One Day Saving. J'ai pris également, j'avais voulu tester, c'est ce crayon-ci. Ça m'a intriguée. Donc, vous voyez, il arrive dans sa boîte. Donc, vraiment très bien protégé. Hop. Voilà. Et du coup, il suffit de tourner la manette ici. Et vous avez la colle pour les... pour coller les strass qui est déjà dans le stylo plutôt que toujours aller rechercher la pâte. Du coup j'avais envie de tester, donc voilà,
Alors, je pense que ça, je sais pas si ça se recharge. Ça a pas l'air de se dévisser, donc je ne pense pas que ça se recharge. Ah, si, peut-être par là. Non. Donc, à voir si ça se recharge. Je pense que oui, il doit y avoir un système. Peut-être qu'une fois que quand c'est vide. Ouais, je sais pas trop, j'ose pas trop démonter. Mais du coup, on tourne la mallette ici et on a la pâte gomme là pour coller les strass qui sort par ici. Voilà. Donc, tout simplement, j'avais voulu tester ça. Donc, ça, la boîte, je ne vais pas le garder parce que moi, je les mets tous ensemble. Donc, voilà. Alors, ça, c'était autour de. Je crois que c'était 2 ou 3 euros le stylo. Enfin, bon, voilà. Et j'ai craqué. Donc, je devais avoir un partenariat pour 20 euros et j'ai dû dépasser un tout petit peu. J'ai dû dépasser de 2 ou 3 euros. 2 euros, je crois. Parce que j'ai craqué pour les petites poupées LOL. Vous savez que j'ai deux filles. Donc, ma petite dernière aime bien faire des diamants de painting. Et je me suis dit, eh ben, là, c'était 18 poupées LOL. Ça devait être 3,68, je crois, le paquet de petites poupettes comme ça. Et pour faire soit des invitations pour des cartes anniversaires ou des ATC tout simplement, un peu fashionista, un petit peu avec ces petites poupées LOL, et ben c'est l'idée que ça m'est venue tout de suite quand j'ai vu ces petites poupées. Donc, je vais mettre au travail les filles chez moi. Elles vont me faire les DP et on se retrouvera pour une vidéo. Alors, je ne sais pas si je ferai invitation, carte pour anniversaire de petite fille ou une série d'ATC, peut-être la série d'ATC. Avec un fond gel presse, peut-être ça pourrait être fort sympa, je pense. Donc, je vais choisir celle qui m'intéresse pour moi, que je vais garder ma petite série à moi et j'en laisserai à Noélie pour qu'elle fasse ses cartes d'invitation pour son anniversaire. On a encore le temps, hein, c'est au mois de juillet. Donc, no panicole, mais du coup, il faut que je fasse ma vidéo pour One Day Saving. Donc, on va s'atteler à faire tout ça. Donc, vous avez dans le kit, eh ben, vous avez toutes les couleurs de diamants ici. Et vous avez toujours la petite gamelle, le crayon et la petite pâte. Donc, du coup, voilà pour mon partenariat. Donc, je suis super contente puisque ces trois produits, je pense qu'ils vont m'être fort utiles. Surtout ça pour les ranger parce qu'à chaque fois, bah, je ne savais pas où les ranger. Donc, je trouve ça plutôt intéressant. J'ai regardé sur quelques sites, tous ne le font pas, ça, ce rangement. Donc, si vous avez besoin, allez sur One Day Saving. En barre d'infos, vous aurez le site et le lien de cet article de rangement. Je les remercie de me faire confiance, de faire ce nouveau partenariat ensemble. Donc, voilà. Donc, je vous embrasse, je vous dis à bientôt et scrapez bien. Allez, bye bye!